Allez, avec Vianney Chavin, Vianney. Buteur à la dernière minute. C'est exceptionnel ce qui se passe ce soir. Franchement, on l'a refait mille fois ce match dans les têtes. On en a rêvé la nuit. Et là, franchement, on le mérite parce que on a les plus grosses occasions. On n'a pas vu la différence de niveau aujourd'hui. Et franchement, moi j'ai des occasions, mes potes ont des occasions. Mais marqué à la 89e, c'est exceptionnel. Voilà. Merci, non, merci Vianney. C'est magique. Félicitations Vianney. Merci. Félicitations. Sa réunion, Laurent, on l'a dit avec les joueurs, c'est une joie qui est indescriptible. Il y a plus de 3000 spectateurs pour votre petit village de 2900. Comment vous vivez cet exploit? Bah écoutez, moi je vis cet exploit, j'aurais jamais cru vivre un jour un tel exploit. Aujourd'hui, bah, on y est, on a réussi à passer un cap, mais un cap formidable. Je veux dire, si il y a quelques semaines, j'aurais demandé un cadeau, ce cadeau de Noël au Père Noël, bah, il aurait dit non, je ne peux pas te l'offrir, c'est trop lourd. Voilà, aujourd'hui, bah, des joueurs, ils ont maîtrisé un jeu formidable, ils étaient sur le terrain serein et ils n'ont jamais pêché, puis ils ont réussi à passer vraiment. Ce cap de 16e de finale pour atteindre les 8e de finale. C'est-à-dire pour un club comme le nôtre, pour petit budget, petit moyen, petite infrastructure, bah, voilà, atteindre ce niveau de jeu, bah, c'est inimaginable. C'est-à-dire pour nous, c'était déjà un rêve, les 32e de finale, c'était l'objectif principal. Arriver en 16e, bah, c'était du bonus. Alors faire un 8e de finale, je veux dire, à 3 matchs de la finale, c'est quelque chose, c'est un rêve qu'on n'aurait jamais peut-être pu nous rendre. Aujourd'hui, bah, les joueurs nous ont rendu ce qu'on leur donne toute l'année, parce qu'il y a quand même, je dédie quand même ce match aussi à tous les bénévoles qui sont là à longueur d'année, à longueur de journée, et voilà, et toujours pour que tout soit impeccable pour nos joueurs, pour que la pelouse soit bien traitée, pour que ce soit toujours des moments de fête. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est fonctionné. Merci beaucoup. Avec le petit Verratti de sa réunion. Et oui Thomas, ben voilà, c'est la qualification, 8e de finale. C'est un moment vraiment magique à cette Coupe de France. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est une aventure.
C'est une bande de potes qui se mettent sur le terrain et qui s'entendent bien dans la vie et qui se mettent le cul par terre les uns pour les autres. Et voilà, ça, je pense que la victoire est méritée. Sûrement que les Espagnols, voilà, on a fait un régal, on a des grosses occasions en première mi-temps et voilà. On a très bien entamé les deux débuts de match, que sont en première mi-temps en deuxième. Et voilà, on a eu cette chance de marquer à la fin et maintenant c'est bon. C'est vrai que la victoire n'est pas volée. Il y avait plus de 3000 spectateurs, le village 2900, il n'y avait plus grand monde dans les maisons. C'est un peu surréaliste. Voilà, mais c'est la magie de la vie. Moi, j'ai toujours aimé cette compétition, je l'ai déjà dit, et voilà, c'est magique. Et c'est beau pour eux, c'est surtout beau pour eux. Ouais, un petit pronostic pour le tirage? Franchement, j'en sais rien. La 8ème, ça en est tellement loin que je m'en fous de l'adversaire. Mais après, comme je l'ai dit, Paris, Pino, comme ça, pour les supporters alsaciens. Si on peut voir Zlatan et compagnie, ça fera plaisir. Allez, pour terminer en beauté, on est avec le coach Eric Becker. Coach, que dire après cette belle qualification de tes joueurs? Que dire, c'est quelque chose d'historique là, qui vient de se passer pour le club, pour le village, pour les joueurs, pour le président, pour Rudy, pour moi aussi, hein, bon, bien entendu. Donc on a écrit une belle histoire, là, une belle histoire, voilà, qui va nous emmener en 8e de finale de la Coupe de France. On va faire partie des 16 derniers clubs en France. Vous imaginez un petit peu le pied, quoi. Donc voilà, on va savourer à fond, on va passer une soirée, je ne sais pas comment elle va se finir, mais bon voilà, c'est un grand bonheur et une grande fierté franchement de ce que le groupe a fait aujourd'hui. Bah écoute, quel scénario en plus avec le but à la dernière minute. C'était le scénario idéal, hein, comme je disais à certains joueurs cette semaine, on me demandait quel score. Et ben, il faut les écraser 1-0 à la 90e, ça serait voilà, comme ça on n'a pas trop longtemps à attendre. Bon ben voilà, le scénario que j'avais demandé s'est réalisé, donc bon, c'était vraiment magique, quoi. Le but de gagner à la fin. Mais... Allez voilà, Eric, on t'a déjà entendu en réaction, on voudrait avoir la réaction d'Isabelle, parce que Isabelle est femme de coach, ben, c'est un boulot aussi, et puis ben, tu le suis depuis de nombreuses années pour vivre ces moments-là. Ah ouais, là c'est juste un moment fantastique, il le mérite, ça fait 3 semaines qu'il travaille, ça fait 3 semaines que je gueule dessus, mais les résultats sont là, je suis fière de lui, je suis fière du groupe, et c'est du bonheur, franchement, il le mérite, on le mérite, et on a créé une superbe page, même on a superbement ouvert le livre, et on va encore tourner les pages, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Eh ben merci Isabelle. De rien.